Grand Studio RTL. La France, en fait, Régis, j'ai l'impression que cette France dont tu parles, ouais. On l'aime ou on la quitte, ça nous rappelle quelque chose. Ah, ça nous rappelle quelque chose. La France, on l'aime ou on la quitte, vous vous souvenez, hein. Bon, ben, les jours de grève, t'as intérêt d'être vachement amoureux quand même, hein. Tu vois, c'est la grande question en ce moment, c'est faut-il régulariser les sans-papiers qui font grève ? Évidemment, un sans-papier qui fait grève, c'est déjà une belle preuve d'intégration au système social français, quoi. Moi, je l'aime, la France, hein. je l'aime. Hein. D'ailleurs, j'ai acheté mon drapeau tricolore, parce qu'il faut être fier de ses couleurs. Hein. Chez nous, c'est bleu, blanc, rouge. Enfin, à partir de 17h, 17h30, c'est surtout le blanc et le rouge qui prédominent. Hein. Ah ben, on aime l'alcool en France, hein. C'est notre loisir, c'est même une religion. Tu vois. À mon avis, si Jésus avait fait son dernier repas en France, eh ben, Judas, il aurait été trop beurré pour aller cafeter à Ponce Pilate. Hein. On adore ça, l'alcool. Tu sais, on a tous des bouteilles planquées partout. Toi. La seule arme de destruction massive qui nous reste dans ce pays, c'est le tire-bouchon. Tu sais. Heureusement, hein, parce que vous avez vu, la question armée, on est dans la mouise. Hein. Ah bah oui, il n'y a plus d'armée. Ils ont demandé à Laure Manaudeau de remorquer le Clémenceau. Quoi. Pauvre gamine. Hein. En Afghanistan, nos soldats, ils n'ont plus rien. On leur fauche tout sur place. Du coup, avec des collègues, on a envoyé un petit collier à nos bidas. Hein. Tout le monde a mis au pot. Moi, j'ai envoyé directement des sandwichs, la rôti de porc. Ah bah comme ça on est sûr que les autochtones vont pas le becter, hein. Ah bah c'est la guerre, y a pas le choix, y a pas le choix. Tu vois, heureusement qu'on a encore la Corse. Ah ben sinon ce pays serait complètement démilitarisé, hein. Sympa la Corse, hein, je vous le conseille, moi j'y vais tous les ans pour le 14 juillet, c'est de loin les meilleurs feux d'artifice de la Côte d'Azur, hein. Oh la belle bleue, non ça monsieur c'est la gendarmerie d'Ajaccio. Tu vois, la Corse, c'est le seul endroit en France où tu te sens vraiment en Corse. Toi, autant je dis, c'est important, faut garder super précieusement avec nous la Guadeloupe, la Martinique. Restez là, les filles. Bah oui, ça nous évite de passer pour des blaireaux quand il est championnat du monde d'athlétisme. Mais entre nous, t'as déjà vu un Corse remporter un 4 fois 100 mètres? À la rigueur, tout ce qui est tennis, sport de raquette. Attention, hein. En Corse, on ne blanchit pas, on élimine les taches. Le rapport Maillot, Régis Maillot qui fait son grand studio aujourd'hui, Régis qui est en tournée dans toute la France.